Et c'est parti pour la deuxième étape de notre Tour de France. Aujourd'hui, nous sommes à Chenôvre, près de Dijon, et nous partons en direction de Colmar, dans le Haut-Rhin. Sur le chemin, je vous présenterai Henri Bory, le fondateur du blog Comme un avion, qui a tenu à ce qu'on fasse un petit détour par l'aéroport de Dole pour des images à couper le souffle, pourvu que le temps soit clément. On a encore de la route, je passe chercher le véhicule au centre Euromaster, je passe chercher Henri, et on est parti. Bonjour Henri. Bonjour Hélène. Bonjour Aziz. Bonjour Hélène. Donc c'est vous qui avez fait la révision du véhicule aujourd'hui? Oui, j'en ai profité également pour vérifier la pression de vos pneus. Oui. Pression des pneus qui permet d'optimiser adhérence, freinage et consommation. Donc j'en ai profité pour gonfler vos roues à l'azote. D'accord. Okay. Savez-vous pourquoi? Non. L'azote permet d'espacer le contrôle de pression à 3 mois au lieu de 1. D'accord, super. Voilà. Bah, merci beaucoup. Eh ben de rien. À très bientôt. À très bientôt, bonne route. Merci. Au revoir. Merci. Je suis Henri, j'ai 28 ans, je suis le fondateur du blog Comme un avion. À la base, je travaille dans le marketing. J'adore la photo d'avion, en fait. À la base, je suis ce qu'on appelle un spotter, c'est-à-dire quelqu'un qui aime prendre du temps pour aller aux abords des aéroports et prendre les avions en photo de près comme de loin. Moi, ce qui me passionne dans les avions, déjà, c'est que je trouve qu'un avion, c'est un objet qui est très beau. C'est un objet presque un objet artistique. Ce que j'aime dans la photographie d'avion, c'est évidemment être. Il vaut mieux être aux abords d'un aéroport, ça va de soi. Et c'est toujours avoir le soleil dans le dos. Déjà pour la luminosité. Et ensuite, moi j'ai une préférence pour le soir. La luminosité du soir, parce que le matin c'est sympa aussi, mais le soir, quand le soleil est un peu coupant, entre le mois de mai et le mois d'août. C'est vraiment très sympa. Quel est le type de contenu que tu produis, toi, en tant que blogueur? Moi, sur mon blog, à la base, je rédige, hein, c'est que du contenu rédactionnel. Après, j'ai une petite particularité, c'est que j'adore la photo et je considère que mon blog doit être vraiment très visuel. J'écris sur l'expérience passager, ouais. Mon expérience en tant que passager pour les différentes compagnies. J'ai un exemple, je suis parti en voyage à Seattle pour visiter les usines Boeing aussi. Je fais des vols inauguraux quand les compagnies aériennes ont des nouveaux appareils. Si tu avais pu nous amener n'importe où dans le monde, ça aurait été où? Alors en voiture, ce serait la Vendée, parce que j'aime ce département, j'aime la mer. Et il y a un très bon climat. Et San Francisco en avion, sans hésiter, parce que c'est la ville où j'ai fait une partie de mes études et j'adore cette ville, c'est une ville de cœur. Colmar, je dirais charmante et pittoresque. Malheureusement, notre visite sera de courte durée. Demain, on repart sur les routes direction Genève pour une nouvelle étape de notre Master Tour. Et sur le chemin, on fera la connaissance de Frankie Gianlivini. Il est photographe et surtout, c'est l'auteur du Dars Blog, un des plus grands blogs photos. Donc prenez des forces et je vous dis à demain.